retour au point de départ. Un récit est toujours source d'espoir et d'expectative. C'est une quête de vérité. Parfois, il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter de devenir l'un ou l'autre. Mais piégés par le genre, cette histoire va tous nous anéantir. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire. Ce n'est pas la fin que je souhaitais. Cette histoire va nous dévorer. Cette histoire est un vrai monstre. Et les monstres ont de nombreux visages.
ses remords. Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va maman, et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y'a eu quoi? C'est juste... la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien! Et pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot.
Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Il faut la mémoriser avant qu'on se fasse dévorer par les amis. Je devrais étudier cette carte. C'est toi. J'ai jamais dit ça, Mulligan. J'ai dit qu'on devrait être là tous les deux pour surveiller le mort. C'est plus sûr. Arrête ton cinéma, Thornton. Je suis là maintenant. C'est comme ça, et puis c'est tout. Allez, Saga, il faut retourner travailler. Hey, par ici. Bonjour. Agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson, je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince, désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan.
je viens de comprendre que... Enfin... Les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ici ? Et comment ça ? Ah, ils sont avec toi ! Ils ont pas entendu, pas vrai ? Est-ce qu'on aurait des témoins ? Oui. C'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient farfouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime ? Dealer pour le cœur. J'allais en parler, Santon. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime, alors qu'ils devraient être... vous voyez... à l'intérieur. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend ? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Melian, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. L'entre-mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'entre-mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil.
T'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Oh, putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Je reviens dans une seconde. D'accord. Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire? Très marrant, Anderson. Y a plus de marche. Ça te dérange pas de sauter? Je suis pas si vieux. Hein? Oh. J'ai cru voir un truc. Ça me prendra qu'une minute. Je t'attends.
Ce serait pas... une boîte repas ? Une boîte repas du film Alex Casey. Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif. Casey déteste ses polars. Et encore plus leurs adaptations. Donc voilà, Anderson. Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature. Je vais jeter un œil. Je reviens tout de suite. Prends tout ton temps. Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche ? Ah, si c'est le cas, je te paie un café. J'aimerais faire un tour, une minute. Tu sais où me trouver. Impossible d'aller plus loin. C'est trop profond.
Encore une boîte repas? Qui peut semer tous ces machins? Vous êtes l'adjoint Thornton, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Je vais résoudre cette affaire. C'est trop cool! Traquer les tueurs en série tarée, flinguer les gangsters! Vous oubliez les ovnis dissimulés.
Une boîte repas de plus. Une sculpture bizarre en brindille. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Je dois fouiller les environs pour trouver comment l'ouvrir. Salut, monsieur le cerf. Tu me rappelles un rêve que j'ai fait. Bonjour, nous sommes l'agent Anderson et l'agent Casey du FBI. On aimerait entrer pour vous poser quelques questions dans le cadre d'une enquête. Les responsables ne sont pas disponibles pour l'instant. L'accès est interdit sans leur autorisation. Dans ce cas, bonne journée à vous aussi. Vraiment pas que des gens viennent ici. Ah,
Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Avec les procédures et tout ça. Merci, adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok. Commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents ? Première étape, on examine le corps. Le corps de la victime est sur la table, comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence. Le fait de trouver une boîte repas Casey n'était sûrement pas une coïncidence. Un autre message ? Hmm.